Alhamdulillah, as-salatu wassalam ala rasulillah. Nous parlons à présent de la mendicité. Comme on le dit dans notre jargon, la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Voilà, ce serait une humiliation pour un être humain de tendre, n'est-ce pas, la main à son prochain. Et donc, en tant que musulman, on va agir de sorte à éradiquer, n'est-ce pas, la mendicité. Et on va au-delà de ça, on veut éradiquer carrément, n'est-ce pas, hein, la pauvreté. C'est en ce sens-là qu'on a des actions sociales qu'on pose. Hein, on te parle de zakat, de monde légal, et qui est une obligation pour toutes les personnes musulmanes, n'est-ce pas, à qui Allah il a permis, n'est-ce pas, de se suffire et d'avoir ce que je pourrais appeler un excédent en matière de richesse financière. Donc, le musulman va agir de sorte, n'est-ce pas, à aider les pauvres à quitter le stade de la pauvreté. Voilà. Et donc, à éradiquer carrément cette pauvreté-là, et de sorte qu'on n'ait pas de mendiant. Voilà. Et c'est vraiment écœurant, n'est-ce pas? C'est pas encouragé du tout de voir les mendiants un peu partout autour, aux alentours de nos différents lieux de culte. D'accord? Et c'est pas une bonne image qu'on donne. Et c'est pas, d'ailleurs, c'est pas religieux. Voilà. Il faut agir en sorte, Inch'Allah, à ceux-là, les scolariser si éventuellement ils sont dans cette sphère-là. Et il faut les insérer dans la société. C'est des bras valides et c'est vraiment écœurant de voir des personnes qui ont des aptitudes, n'est-ce pas, ne pas les exploiter. Et il serait mieux, n'est-ce pas, de mettre à profit ces talents qu'Allah nous a donnés, ces potentialités qu'on a, au lieu que de tendre la main, n'est-ce pas, à nos prochains. Ça n'honore pas le musulman, n'est-ce pas, c'est une humiliation, c'est être ridicule. Et le prophète sallam dit, n'est-ce pas, celui-là même qui mendie, alors qu'il n'en a pas besoin, n'est-ce pas? Il ne fait qu'ouvrir, n'est-ce pas, une porte de pauvreté dans laquelle il ne s'en sortirait presque jamais. Donc le musulman n'est pas caractérisé par cela. Il faut se battre, il faut être des bras valides, il faut travailler. Allah, il est fier de l'esclave qui vit à la sueur de ses fronts, comme on le dit. Et il faut être des musulmans battants. Et donc, comme beaucoup de versets dans le Coran le témoignent, une fois que la prière du vendredi est terminée, allez dire, dispersez-vous, allez à la surface de la terre, allez rechercher, n'est-ce pas, les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les grâces d'Allah ici, Allah il parle des biens matériels. Il faut aller rechercher sa provision, il faut chercher de quoi survivre. Et c'est à cette seule condition, Inch'Allah, qu'on sera indépendant dans la société. On aura une sorte de notoriété, on sera respecté, on sera considéré. Parce que ça aussi, Inch'Allah, il y va de la crédibilité d'un être humain. Et c'est important, Inch'Allah, de parler de ce genre de thème-là, de sorte à conscientiser, n'est-ce pas, ou à susciter un éveil de conscience hein, en ceux-là même qui s'adonnent à la mendicité. Et le pire, c'est de faire de ça une activité lucrative. Donc, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous fasse vivre comme étant de bons musulmans. La mendicité est un état d'indigence qui mène à mendier. Alors, le passage que nous allons voir, c'est Luc chapitre 16, le verset 20 au verset 27, le cas de Lazare et du riche. Dans la Bible, un homme nommé Lazare était couché tout le temps devant la porte d'un riche pour mendier. Durant toute sa vie, il a mendié le pain du riche. Et la Bible dit qu'il est mort misérable. Et il a eu le ciel, il est sauvé. Mais il est mort misérable. Alors c'est pour dire que la mendicité, bien aimé, n'est pas une bonne chose. Il n'est pas bon de tendre la main aux gens. Même si Dieu dit, demande et l'on te donnera, ce n'est pas dans ce sens. Frappe et l'on t'ouvrira, ça ne parle pas de la mendicité. Cherche. Il y a aussi cherche et tu trouveras qui est là. Donc, Dieu n'aime pas la mendicité. Lazare pouvait bien travailler. Il pouvait bien travailler de ses dix doigts. Mais il a passé son temps à mendier les miettes du pain qui tombaient de la table du riche. Et il est mort misérable. Et sur cette terre où nous sommes, l'un des commandements ou l'une des paroles que Dieu a données à l'homme depuis la création, c'est « tu mangeras à la sueur de ton front ». Donc, l'homme a appelé à travailler. Même les handicapés travaillent. Alors, un handicap ne peut pas empêcher un homme de réaliser quelque chose, de faire quelque chose.
Les handicapés peuvent vendre, peuvent faire du commerce. Alors, on n'a pas d'excuse. La mendicité vient de la paresse, elle vient de la négligence. Et pour reconnaître un mendiant, il y a des signes. Le premier signe, c'est la paresse. Quand on refuse de ne rien faire. Le deuxième signe, c'est le manque d'entretien. Lazare, la Bible dit, le couché devant la table, la porte du riche, et il était tellement sale au point où il avait des plaies sur lui qu'il ne pouvait même pas soigner, mais c'est un chien qui venait lécher ses plaies. Or, la pauvreté, elle est attirée par la saleté. L'un des signes par lesquels on peut reconnaître un mendiant, c'est la négligence. Le fait de ne pas vouloir faire quelque chose. Ne pas vouloir travailler. Vous voyez? Donc, il faut que tu travailles. Arrête de mendier parce que tu n'as pas d'excuse quand tu mendies. Travaille de tes 10 doigts et tu seras béni au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. À tort, certaines personnes croient que l'islam est pour quelque chose quant à la question de la mendicité. L'islam n'a jamais encouragé la mendicité ou n'a jamais demandé à quelqu'un de ne pas travailler et de s'adonner à la mendicité. Bien au contraire, l'islam interdit formellement toute mendicité. C'est pourquoi le prophète alayhi salat wa salam, il nous dit qu'il n'y a pas meilleur halal, il n'y a pas meilleur argent ou bien qu'un bien ou une richesse acquise donc grâce à un travail. Et dans notre hadith, le prophète alayhi salat wa salam, il nous dit que toute personne qui ne fait qu'augmenter sa richesse, son argent, grâce à la mendicité, il dit qu'en réalité, cette personne-là ne fait que prendre des braises de feu de l'enfer dans ses paumes. Et dans notre hadith également, le prophète alayhi salat wa salam, il nous dit que ceux qui passent leur temps donc, à faire de la mendicité au jour de la résurrection, ces personnes-là vont se lever en n'ayant aucune chair sur leur visage. Ce qui veut dire que la question de la mendicité, ce n'est pas une question encouragée par l'islam. L'islam encourage au travail. Chacun doit travailler pour avoir de quoi se nourrir. Ceux qui sont aux abords des mosquées, qui y ont établi domicile, l'islam n'y est pour rien. C'est vrai, ce sont des musulmans pour la plupart qui s'adonnent à ces pratiques-là, illicites d'ailleurs en islam. Mais cela ne veut pas dire que l'islam cautionne ces faits-là. L'islam n'a jamais encouragé un individu à ne pas travailler. On voit des gens même qui créent même des scénarios, ils ne sont pas malades et ils se font passer pour des gens qui sont malades. Et puis, ils ont un métier comme ça. L'islam leur dit que ce n'est pas un métier noble. Parce que la question de la noblesse est une question aussi assez sérieuse en islam. Il faut pouvoir donc protéger donc sa noblesse. Il faut être un homme travailleur. Peu importe les handicaps physiques que quelqu'un puisse avoir, ça ne peut pas en réalité l'empêcher donc de travailler, à moins que ce soit vraiment un handicap qui l'empêche donc de se déplacer. Mais du moins, tu peux te déplacer de ton domicile à un endroit X, ça veut dire que tu peux travailler au moins. Donc l'islam n'a jamais encouragé cette question de mendicité. Donc de ce fait, les communautés ou les responsables religieux doivent vraiment trouver donc des solutions par rapport à ces personnes-là qui passent leur temps aux abords des mosquées et en ne faisant que commander, en ne faisant que demander. Donc l'islam n'y est pour rien. Il faut que chacun travaille donc pour subvenir donc à ses besoins. On prend Matthieu chapitre 7, le verset 7 qui dit « Demandez, l'on vous donnera et on demande à l'homme ». La version septembre dit quoi ?« Demandez à Dieu ». Je crois Philippiens 4, verset 6 dit « Faites connaître vos besoins à votre Père qui est dans les cieux par des prières de supplication et d'actions de grâce. »